est-ce que je sais quand tu filmes parce qu'il y a une lumière ou... J'ai commencé. Tu as commencé. Alors Maria, donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Tu m'as demandé une explication, une précision sur la façon dont je vois les choses. Dans ce qui concerne la vie économique concrète, c'est-à-dire comment elle se traduit dans des entreprises. Mm-hmm. Aujourd'hui, je crois que notre société est à la... est à la rencontre et au point de rencontre de ce qu'elle a généré au fil des décennies ou des siècles, même des deux derniers siècles avec, on peut dire, l'industrialisation, mm-hmm. et qu'elle arrive à quelque chose qui est le bout d'une expérience et qu'elle en voit à la fois les avantages et puis les dégâts considérables qu'on peut observer au niveau écologique, planétaire, sociaux, parce que les gens vont mal, les enfants vont mal, ils n'ont pas d'avenir, etc. Et cette humanité, elle a vraiment des questions, elle est à la croisée des chemins de savoir ce qu'elle veut devenir, en fait. Et puisqu'on est dans le capitalisme financier, oui. et qu'on peut appeler le féodal financier... Oui, moi j'appelle ça, tu sais, quand j'ai envie de faire de la provocation, je dis pour moi l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est l'économie de Cro-Magnon, tu vois. Pour moi, c'est les hommes des cavernes qui font de l'économie aujourd'hui. Je les appelle les hommes de Cro-Magnon. Parce que finalement, en économie, ils en sont toujours au même point. Le premier qui s'approche, hop, je sors le gourdin. Tu vois, c'est ça que je vois quand je vois la concurrence, le système capitaliste et à la fois concurrentiel qui est le fondement de notre économie actuelle et qui nous amène à ces désastres humains et planétaires et environnementaux. Et alors maintenant, l'année dernière, tu me disais qu'il y avait des moyens... après le grand clash qui arrive là, avec la bourse mm-hmm. qui s'écroule, et nous sommes le 14 juillet 2008. C'est vrai. Et oui, en plus, c'est là, on fête la révolution hein, aujourd'hui, en plus, hein, en France. Oui. On fête la révolution. Alors moi, je souhaite qu'on arrive à faire une révolution pacifique et en même temps intelligente. Tu sais, quand j'ai présenté mes vœux début 2000, en 2000, j'ai dit nous venons de finir un siècle qui était celui du savoir, et c'est très bien, et j'espère que nous abordons maintenant le siècle de l'intelligence. L'intelligence, c'est d'arriver à comprendre qu'il n'y aura jamais de bien commun, retrouvé, partagé et bénéfique si on ne crée pas une économie qui soit en accord, en harmonie avec ses valeurs. Or, l'économie telle qu'elle est aujourd'hui sur la planète, le capitalisme financier, des gens qui considèrent qu'ils sont apparemment plus légitimes que d'autres à accumuler mm-hmm. des richesses quand les autres doivent en mourir, mm-hmm. Ça leur semble une norme non discutable qu'on n'a pas à remettre en question. Mm-hmm. Et bien sûr, toute la trame de l'économie pratique, mm-hmm. c'est-à-dire l'entreprise, le monde de l'entreprise, ressemble à cette croyance, la matérialise, on la voit tous les jours se mettre en place, mm-hmm. se mettre en œuvre, et on en voit les conséquences. Mm-hmm. Et ce dont je te parlais l'an dernier, mm-hmm. c'était d'arriver à penser l'entreprise autrement. Mm-hmm. Alors penser l'entreprise autrement, c'est, tu sais, quand moi j'ai été consultant en entreprise, donc mm-hmm. j'arrive à en parler un petit peu, mm-hmm. Et surtout en management et mm-hmm. en ressources humaines, donc voilà, donc tout était inclus dans les questions auxquelles j'avais à répondre ou à tenter de répondre avec ceux qui vivaient cette entreprise. Mm-hmm. Eh bien, nous devons arriver à quelque chose qui retrouve les fondamentaux. Mm-hmm. Il y a plusieurs choses dans l'entreprise. Quand tu demandes à quelqu'un, grosso modo, qu'est-ce que l'entreprise, à quoi ça sert une entreprise, il te répond, ça sert à gagner de l'argent. Mm-hmm. Le but de l'entreprise... même dans les écoles de commerce, on leur dit ça, c'est le profit. Or, moi, je dis, un peu comme disait Jacques Dubois, qui était le prince du distributisme dans les années 30 déjà, conseiller économiste d'Aristide Briand dans notre pays, il disait déjà, mais pour qui pousse le blé? C'est-à-dire, quand je cultive du blé, et si je ne le vends pas, est-ce que je ne suis pas le seul responsable de cela, puisque j'ai prétendu faire pousser du blé pour gagner de l'argent et non pas pour nourrir des populations? Nous devons revenir aux fondamentaux de l'économique. Quand une entreprise se crée,
La question qu'elle doit se poser, ce n'est pas comment détruire les concurrents, comment prendre la part de marché qui reste, comment inventer une niche supplémentaire. Elle doit se demander à quoi vais-je servir pour tous ceux qui m'entourent et là où je vis. Et cela, cette question aussi, qui paraît tellement bête et une telle lapalissade, eh bien, elle ne se pose plus. Dans notre économie contemporaine, ça n'est plus à l'ordre du jour, ça paraît ringard de se poser ces questions fondamentales, de savoir à quoi l'on sert. Qu'on soit chef d'entreprise ou simple citoyen, à quoi l'on sert dans ce monde? Et donc, moi, je propose que nous créions des modèles d'entreprise qui revisitent cette façon de voir l'entreprise et qui retrouvent l'essence même de l'entreprendre. Parce que faire une entreprise, c'est entreprendre. Et dans une entreprise, la seule chose importante, c'est qui entreprend, avec qui et pourquoi faire. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est d'arriver à de l'entreprendre ensemble qui fasse sens. Aujourd'hui, comment faire sens si on ne répond pas à l'urgence écologique, si on ne répond pas à l'urgence humanitaire, si on ne répond pas à l'urgence solidaire avec les autres peuples de cette planète? Nous sommes tout seuls dans l'univers, apparemment, c'est ce que nous disent les scientifiques. On est paumé tout seul, on est la seule planète où il y a encore des gens qui habitent. Alors qu'est-ce qu'on attend pour se décider ensemble à faire des choses qui nous font du bonheur et pas du malheur? Et comment est-ce qu'on fait des entreprises alors? Alors, les entreprises, moi, que je proposerais, ce sont des entreprises qui seraient à la fois écologiques, citoyennes, éthiques et solidaires. Et distributives. Et distributives au niveau de la façon dont elles géreraient leur capital financier. C'est-à-dire que pour moi, je l'ai souvent observé quand j'étais en intervention en entreprise, une des personnes les plus importantes de l'entreprise à laquelle on ne pense jamais, c'est la personne qui répond au téléphone. Tu vois ? Donc pour moi, pourquoi ? Parce que sa voix, c'est la voix de l'entreprise. Sa réponse, c'est la réponse de l'entreprise. Et souvent, on regarde ses jobs, ses activités comme des choses très secondaires. Et moi, je pense que chacun est essentiel dans l'entreprise. Il n'y a pas de gens qui valent mieux que d'autres. Tout le monde est important. Si tu enlèves une pièce, ton entreprise, elle tombe. Et donc, il est important qu'au niveau des rémunérations, de la répartition de ce que produit l'entreprise en richesse et de ce qu'elle va ensuite redistribuer, eh bien, on fasse un peu disparaître cette façon de penser qu'il y a ceux qui ont le droit au capital et puis ceux qui ont le droit de bosser pour que le capital se fasse et puis que c'est tout d'avoir un salaire. Pour moi, nous devons non plus gagner l'argent, mais distribuer l'argent. Et pourquoi je dis ça? Parce que ce serait tellement plus simple. Tu vois, quand je dis, oh là là, il faudrait faire des moteurs non polluants, il faudrait faire des isolations thermiques pour les maisons, etc. On me dit tout le temps, ah oh, mais on n'a pas l'argent. Et je réponds toujours, ah bon, comment ça se fait qu'on n'a pas l'argent? Qui fabrique l'argent? Qui d'autre que les humains décide aujourd'hui sur cette planète de combien d'argent on met en place, combien on en laisse circuler, de quelle manière on y accède à cet argent, comment on peut se le procurer pour faire des choses utiles à tous? Et qui décide qu'un projet est intéressant ou pas? Donc tu vois, c'est sur toutes ces questions fondamentales que je trouve que l'argent devrait redevenir ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire un symbole. Un symbole qui permet l'échange entre les êtres humains. Et ce symbole étant retrouvant sa juste place, dont il n'aurait, à mon avis, ça n'engage que moi peut-être, jamais dû sortir, eh bien cet argent en étant distribué à tous ceux qui sont prêts à mettre leur bonne volonté pour construire des entreprises, comme je te le disais, qui maintenant prendraient comme priorité d'être éthiques, solidaires, écologiques et citoyennes, donc de prendre part à la vie de la cité, eh bien peut-être qu'on récupérerait quelque chose de beaucoup plus viable déjà dans notre quotidien, puisqu'on vit quand même les deux tiers de notre temps dans nos entreprises. Et comment tu fais alors avec ton entreprise? Alors, comment je fais? Déjà, il faut qu'il y ait créer, une d'ailleurs. Ou plusieurs personnes qui soient partantes pour tenter une expérience nouvelle, hein, une autre approche, une autre lecture. Expérimenter cela et au lieu d'aller chercher des parts de marché, de faire plutôt un inventaire des besoins qui existent dans une zone. On peut choisir une ville, on peut choisir une intercommunalité, on peut choisir une région et on doit d'abord
étudier des besoins. Alors, je sais que les gens vont me dire, mais c'est fait ça, les études de marché, ça sert à ça. Non, une étude de marché, ça ne sert pas à ça. Une étude de marché, ça sert à savoir comment on va gagner de l'argent en faisant disparaître quelques concurrents au passage. Or, une étude de besoin, c'est tout à fait différent. C'est de savoir sur une zone de vie de quoi les gens... Enfin, quels sont les besoins auxquels on répond déjà et puis ceux auxquels on ne répond pas. Donc déjà, ne pas se mettre en concurrence avec l'existant, mais en complémentarité avec l'existant. Et à partir du moment où on fait ce choix, ensuite, il reste à construire l'entreprise qui va permettre de répondre à ce besoin. Donc il faut des hommes volontaires pour accepter peut-être, quel que soit le niveau de formation ou le métier qu'ils vont exercer, le travail qu'ils vont faire dans cette entreprise, acceptent d'avoir un salaire équivalent. Il y a des entreprises qui fonctionnent déjà comme ça. Ambiance Bois fonctionne comme ça, L'Art de laine fonctionne comme ça. Donc il y a déjà un réseau. Et puis également, on va penser l'entreprise dès le départ pour qu'elle puisse répondre à ces quatre piliers sur lesquels elle va reposer et que j'ai donné tout à l'heure. Qui sont l'écologie, la citoyenneté, la solidarité et l'éthique dans les rapports. D'accord. Et où tu trouves l'argent ? Alors, l'argent, si tu veux... alors en attendant que la Banque mondiale, la Fed et puis la BCE acceptent de nous le distribuer comme je le demandais, il y a quand même déjà de l'épargne solidaire qui existe. Il y a déjà des banques éthiques qui existent. Et on peut s'appuyer sur l'existant. C'est pas plus compliqué d'aller plutôt vers une banque éthique que vers une banque dont le but est la spéculation financière et l'accroissement du capital financier de cette banque, d'aller vers une banque éthique qui, elle, va financer, permettre d'aider des projets qui vont dans le sens de l'éthique et de la citoyenneté. Donc, le personnel qui adhère à tes idées... Il faut qu'il adhère aux valeurs. La banque, et après... La banque, et après, certains savoir-faire, par exemple, pour... si on va bâtir un bâtiment dans une zone industrielle, peut-être parce qu'elle sera près d'une route et que ce sera quand même pertinent de faire cela, eh bien, on va le bâtir en bioclimatique. On va le bâtir avec une énergie propre. On va se fixer comme règle de travail entre nous d'éviter le gâchis, d'essayer de s'approvisionner localement, de travailler avec des gens qui sont déjà sur place, donc d'échanger des savoirs et non pas de les breveter, mais plutôt de les partager avec la zone qui nous entoure pour qu'on puisse s'intégrer citoyennement à l'intérieur de ce pays. Ce pays au sens d'un pays régional, je veux dire. On a la notion de pays dans l'alimentaire. Je pense qu'on devrait la retrouver dans le vivre ensemble, dans une zone, dans une région. Voilà. Et comment tu vas distribuer tes produits ? Alors, la distribution des produits, tu sais, il y a des tas de moyens de distribuer maintenant. Alors d'abord, moi, je fais déjà partie d'une AMAP, donc je suis organisatrice d'une AMAP depuis de nombreuses années. AMAP. Et AMAP, c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc ce sont des personnes qui choisissent de se nourrir localement. Et en faisant cela, en venant régulièrement toutes les semaines et en payant d'avance toute une saison de produits aux producteurs, permettent à ce producteur de rester sur sa terre et de perpétuer le savoir de son métier et de le faire. Et quand tu produis un produit, comment tu définis le prix ? Alors pour moi, il n'est pas d'autre prix intéressant ou légitime qu'un prix de revient. C'est-à-dire que le prix de revient, c'est ce qu'aura nécessité en moyens financiers, puisqu'on a toujours une monnaie dans le projet dont je parle, c'est que il y a eu des matières premières, il y a eu de l'énergie, et il y a eu des personnes qui ont été rémunérées, rétribuées pour cette contribution à la fabrication. Et ceci constitue le prix de revient. On peut éventuellement... Moi, j'avais également le souhait dans les entreprises dont je te parle de faire une sorte de cagnotte intelligente, c'est-à-dire que chaque personne de l'entreprise, voire même les clients qui seraient adhérents à l'entreprise, un peu comme dans une AMAP, on adhère à une AMAP pour une durée de 3 mois, 6 mois, 1 an, choisi, eh bien, ces personnes pourraient se cotiser, avoir une sorte de pot commun, de petit cochon, si tu veux, une tirelire, qui serait ensuite dédiée à aider
d'autres projets qui ont la même philosophie, qui ont ce même désir d'expérimenter autrement le vivre ensemble entrepreneurial, je proposerais qu'on contribue à cette petite boîte et qu'ensuite on serve de capital de création à des projets du même ordre, avec la même philosophie et avec la même éthique. Bien entendu, pour moi, l'argent qu'on prêterait serait non productif d'intérêt. Voilà, on n'a pas à faire de l'argent sur de l'argent. L'argent n'est pas une marchandise, l'argent est un outil de circulation des valeurs, qu'elles soient humaines, humanistes ou matérielles, et ça n'aurait jamais dû devenir autre chose que cela. Et comment tu vois les produits qui peuvent être éventuellement fabriqués ? Alors les produits, pour moi, doivent respecter les valeurs sur lesquelles s'appuie l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils ne doivent avoir une empreinte écologique le plus près de zéro possible. Ils doivent avoir, on doit choisir dans cette entreprise un moyen de les distribuer qui rentre dans ces logiques d'éthique et de relocalisation des choses. On ne doit pas créer ces produits pour faire de l'argent, je l'ai déjà évoqué, mais pour répondre aux besoins, là où on vit. Et si on veut inventer, si on veut faire de la recherche fondamentale. Merveilleux, c'est ce qu'on espère, moi en tout cas c'est ce que j'espère, c'est que des personnes appelées à faire de la recherche, qui sont passionnées par cela, viennent nous aider à faire de la recherche permettant d'aller vers un mieux, encore plus mieux par la suite, plutôt que d'aller travailler sur l'obsolescence programmée des objets, tu vois, qui contribue à la déliquescence d'une société. Donc les chercheurs sont des gens merveilleux qui ont en plus un talent magnifique pour nous amener de la vie, de la création, de la créativité. Et la seule chose qu'aujourd'hui on ne sait peut-être pas encore leur donner, c'est les moyens de chercher dans la bonne direction pour que le bien commun s'enrichissent, mais au sens humaniste du terme, s'embellissent plutôt que s'autodétruisent au fur et à mesure pour des raisons de pseudo-nécessité de concurrence que je m'explique plus très bien au troisième millénaire, moi, tu vois. Et qui prend la décision ? Alors, les décisions, pour moi, elles doivent être prises. Je n'ignore pas les difficultés de ce que j'annonce, mais elles doivent être prises de façon totalement démocratique et participative. C'est-à-dire que tout le monde doit participer à la décision, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise, s'il y a une décision qui concerne l'organisation interne, le management, je ne sais pas, le circuit de distribution, une façon de faire. Toutes les personnes qui sont dans l'entreprise doivent absolument participer et être preneurs de la décision finale. Ça s'appelle la prise de décision au consensus, pour ceux qui l'ont déjà pratiqué. Et à l'extérieur, de la même manière, je crois qu'une société qui ne retrouverait pas le sens de la démocratie, c'est-à-dire où chacun est aussi légitime que l'autre à dire chaque fois qu'il s'interroge sur une question ce qu'il souhaite et comment il entend être dignement respecté, c'est une société qui se délite et qui va à une perte de civilisation. Et pour moi, tout doit être pris en participatif. Et pour former même l'entreprise, même si, si on est constitué de deux personnes, le groupe, il faut que ça soit égalitaire. Absolument. Et dans la situation d'aujourd'hui où on est plus égalitaire et parce qu'on a plus d'argent que l'autre... Ah, pour moi, tu vois, ça n'a aucun intérêt, cette forme-là d'entreprise. Et comment tu peux faire passer l'idée de ce que tu viens de dire dans le corps social ? Mon idée, c'est toujours, c'est ce que me disait ma grand-mère. La première vertu, c'est l'exemple. Donc, pour moi, il faut s'appuyer sur des réseaux qui existent déjà. Il y a de l'économie sociale et solidaire, il y a les réseaux repas, enfin, il existe déjà des choses, les AMAP qui fonctionnent sur ces logiques quand même un peu différentes. Mais pas dans l'industrie. Mais pas encore dans l'industrie. Et donc, il faudrait initier des entreprises sur ce modèle et tout simplement permettre à chacun de choisir dans quel système il veut vivre. Soit dans le système antérieur, soit dans le système qu'on propose maintenant et qui pourrait être une proposition
complémentaire. Voilà. Et maintenant, au moment où les banques font collapse... Oui, il y a le collapse, comme disent les Anglais, oui, c'est collapse, vrai. Collapse, c'est juste. Ce que j'entends sur les radios. Oui, c'est vrai. C'est comment en français. Oui. Qu'est-ce qu'ils font les banques? Les banques collapsent. Elles collapsent, c'est sûr. Et que l'argent devient de plus en plus de virtuel. Oui. Comment est-ce qu'il faut éduquer les gens pour qu'ils sachent que l'argent ne vaut rien? Eh bien, déjà, il faut leur expliquer comment est fabriqué l'argent. Il faut leur dire qu'aujourd'hui, ce ne sont plus... Combien de gens ignorent encore que les États ne fabriquent plus leur monnaie? Ça fait bientôt 20 ans qu'elles ne fabriquent plus leur monnaie. Elles ont délégué cela à des banques privées, la BCE, la Banque européenne, et celle qui nous touche au plus près. Mais c'est pareil aux États-Unis, c'est une banque privée qui a le droit aujourd'hui. Nous avons transféré le droit de créer la monnaie à des entreprises privées. Et ça pose un problème parce qu'une entreprise privée de Cro-Magnon, comme je disais tout à l'heure, a pour seul but de faire de l'argent et non pas de permettre avec de l'argent à une société de vivre ensemble correctement. Donc il faut absolument que les gens, qu'on puisse trouver des moyens de leur expliquer leur monde déjà, pour qu'ils le découvrent, parce que personne ne sait cela, ou très peu. Mais si, ils savent qu'on a l'euro qui est fabriqué dans tous les pays et que ce que tu dis est connu. Oui, mais beaucoup de gens, si tu les interroges dans la rue, te diront qu'ils savent que les billets, la planche à billets, elle est à la Banque européenne. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on a délégué la fabrication physique de l'argent. Ce qu'ils n'ont pas forcément compris, c'est qu'on a délégué à un groupe de personnes qui n'est même pas élu démocratiquement le soin de décider combien d'argent on met en circulation sur cette planète, à qui on accepte de le donner, à qui on le confisque, et les choses pour lesquelles il leur semble judicieux de l'utiliser. Et le mythe de l'argent, alors ? Et le pardon ? Mythe de l'argent. Ah, le mythe de l'argent, tu sais, c'est une vaste illusion. Ça remonte à très loin. Hein. C'est parce qu'à un moment de l'histoire de l'humanité, le troc n'a plus permis de répondre. Les gens ont compris que le troc, c'était quand même une difficulté. Si moi, je cultive des carottes en hiver et l'autre des tomates en été, pour troquer, c'est vachement dur. Donc, à un moment donné, ils ont dit, on va mettre un intermédiaire entre ça, une interface. Et donc, ça s'est créé, l'argent s'est créé, il a une histoire. Il s'est créé à une époque où la pénurie était la règle. Et maintenant ? Et maintenant, nous sommes dans un monde de surabondance totale. Tu n'as qu'à voir tout ce qui va dans les déchetteries, tout ce qui est détruit avant même d'être vendu dans les magasins. Mais tu disais 300 000 millions d'euros se fabriquent, je ne sais pas quoi tu disais hier. Sur le mythe de l'argent, que personne ne sait que c'est 300 millions. Non, c'est pas ça, je pense, que j'ai dit. Peut-être est-ce que tu fais référence à ce que j'ai dit à propos de la facilité avec laquelle on crée l'argent aujourd'hui. Oui, on a vu ça. Tu parlais du crash bancaire, donc qui est la suite du crash boursier. Mmh. Et il y a eu trois crises boursières, là, entre novembre 2007, décembre 2007 et début février. Mmh. Et puis là, on en aborde, j'ai l'impression, une qui arrive en plus. Et sur ces trois dates seulement, en l'affaire de 2 heures, ces banques dont nous parlons, là, qui concentrent la capacité à produire l'argent, elles ont produit 880 milliards de dollars pour soutenir les actions boursières. Ça leur a pris 2 clics informatiques et à peu près 2 heures pour la prise de décision. Mais personne n'a même imaginé leur demander de se justifier sur à quoi allait servir cet argent, à qui ils allaient le donner. Ils ont décidé que c'était pour soutenir les cours boursiers. Ils ne se sont pas demandé si c'était pour nourrir des gens, pour arrêter les guerres ou pour faire que demain nos enfants vivent mieux qu'aujourd'hui ou pour protéger cette planète. Non, ils ont trouvé que les actionnaires du Nasdaq ou du CAC 40 étaient les gens les plus importants. Donc aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, combien de gens savent qu'une petite, très infime partie de l'humanité détient ce pouvoir de décider qu'on peut donner 880 milliards de dollars pour soutenir les cours de la bourse parce qu'elles tombent ce jour-là et que ça ne leur convient pas,
Mais personne n'a le droit, nous citoyens, nous ne pouvons même pas demander qu'on donne les 90 milliards de dollars qui permettraient d'éradiquer définitivement sur Terre la faim, la soif, la maladie et peut-être même l'école et un minimum d'habitation. Tu vois, ce sont des comptes rendus de l'ONU en plus. Je veux dire, les chiffres que je te donne sont des chiffres qui sont onusiens. Ce sont des chiffres qui viennent du PNUD, des chiffres qui viennent de l'UNESCO. Tout le monde connaît ces chiffres. Il y a aujourd'hui une méconnaissance vraiment trop importante de la population du monde, hein, des gens simples comme toi et moi, dans quel monde ils vivent vraiment. Et seulement lorsqu'ils le sauront, enfin lorsqu'ils en auront pris conscience, je pense qu'ils pourront choisir, ou pas d'ailleurs, hein, on doit rester totalement libre, d'essayer d'être acteur de ce monde et non plus de le subir, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, tu fais quoi ici, Joël ? Là, je suis aux troisième rencontre des objecteurs de croissance. Et c'est la troisième fois que je viens, d'ailleurs, je les ai faites depuis le début. Parce que ma lecture du monde, qui est une lecture un peu d'économiste, hein, quand même, est que le monde vit et se détruit, s'autodétruit aujourd'hui sur une illusion qui est un système de la croissance infinie. Et je fais partie de ceux qui disent que la croissance infinie dans un monde fini est une utopie. Et que l'utopie, elle est là et elle n'est pas dans ceux qui demandent que l'on puisse remettre en question le diktat intellectuel planétaire actuel. Et je crois que ce que nous tentons de faire ici, c'est de redonner sens à la parole, aux mots, comprendre justement qu'est-ce que c'est que cette croissance infinie qu'on nous prône. Il semblerait que sans elle, la vie n'est plus possible sur Terre. Et que si ça ne croit pas, mais qu'est-ce qui est censé croire ? La richesse, les gens, la démographie, les fleurs ? On ne répond pas à cela. On te parle de croissance sans dire ce qu'il y a dans le mot croissance. Or, la seule croissance dont on parle dans les médias, c'est la croissance financière, qui est censée être la résultante de la croissance économique. Ce serait trop long que je développe sur la différence qu'il y a entre les deux, mais il y a une différence fondamentale. L'économie peut répondre à des besoins, la croissance financière, jamais. Donc ça. Et donc ? Oui, et donc par rapport à ces rencontres, donc moi ce qui m'intéresse, c'est essentiellement cette parole retrouvée, parce qu'elle permet de remettre du sens dans les échanges humains et de donner du sens également à nos actions. Donc pour moi, agir sans avoir échangé avant, sans avoir partagé des choses en commun, ça n'a pas grand sens. Mais partager et ne rien faire jamais, ça ne sert à rien non plus. On aboutit à des impasses qui sont épuisantes pour tous ceux qui participent à un degré ou à un autre. Et donc pour moi, ces rencontres qui sont des rencontres d'êtres humains, qui sont des rencontres de paroles, d'idées, de valeurs, j'espère qu'elles vont aboutir à des actions concrètes et qu'on va enfin commencer à poser des pierres pour construire cet autre monde qu'on dit possible et que moi j'espère en marche. Voilà. Et donc maintenant, il faut aller au débat. Oui, maintenant nous allons au débat parce que c'est important de participer à cela.